Alors voilà, bonjour mes amis. Alors oui, aujourd'hui c'est Saint-Valentin et s'il n'y a rien de très exceptionnel, bon, cadeau, resto, robe, bijoux, fourrure, voiture, est-ce que vous avez pensé quand même à avoir une idée originale? Alors mesdames, si vous voulez faire plaisir à votre homme, moi j'ai une idée originale, ce que j'ai fait aujourd'hui pour mon mari. Offrez-lui des fleurs sur son lieu de travail avec un petit nounours. Donc vous me voyez, je ne suis pas maquillée encore parce que mon homme m'aime d'une manière naturelle. Donc pas maquillée, pas de fard, pas de fond de teint. C'est mon vrai visage, c'est mes vraies rides et c'est comme ça que mon mari il m'aime. Alors soyez naturelle ce soir, soyez vous-même. Et je vous demande de faire un cadeau qui sorte de votre cœur, mais un cadeau aussi exceptionnel comme vous pouvez l'être à ses yeux. Alors faites un cadeau qui sort de votre cœur et de votre imagination. Ne cherchez pas des idées sur Internet, quelque chose qui vienne de vous et qui ne coûte pas finalement grand-chose. Voilà le cadeau que j'ai fait, il coûte je crois 50 €, mais livré des petits bouquets de roses à l'homme qu'on aime sur son lieu de travail, il ne va pas s'y attendre. Et c'est ça l'exception d'être la fille unique. Pourquoi il vous veut vous? Pourquoi c'est vous et pas une autre? Allez, faites quelque chose de bien. Alors regardez, regardez, moi j'ai tiré ma carte aujourd'hui. La carte c'est le messager de l'oracle bleu. Parce que je suis une initiée. Alors si vous aussi, vous voulez vous initier à tout ce qui est tirage de cartes et médiumité pour cette Saint-Valentin, posez-moi votre question et je vous le fais gratuit. C'est la Saint-Valentin, c'est cadeau, je vous fais plein de mimi. Je vous remercie de vous être abonné, commenté, partagé. C'est ça l'amour des autres. Je vous souhaite une très 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 joyeuse Saint-Valentin. À vous messieurs et à vous mesdames. Messieurs, si vous voulez faire un cadeau exceptionnel à votre dame, demandez-la en mariage ou demandez-lui si elle veut être notre enfant ou demandez-lui si elle veut habiter avec vous ou alors vous lui donnez la clé de chez vous. À très bientôt.